vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes le 12 février. J'ai pas mal de choses de cette semaine à faire. Là aujourd'hui le programme, il faut que je range un peu l'appartement. Enfin il faut que je passe un bon coup d'aspie parce que là j'ai vu qu'il y avait plein de poils dans les coins. Je me suis dit oulala, j'aime pas ça du tout. Je dois faire ça, je dois nettoyer aussi le canapé qui a pas mal de poils aussi dessus. Je dois passer vraiment un bon coup d'aspie dans tout l'appartement. Concernant la fuite d'eau, donc ça a été réparé par mon conjoint. Par contre il y a le réservoir d'eau qui fuit. Ça je sais pas comment on fait. Franchement la plomberie et moi ça fait 5000. Je déteste ça donc je veux pas m'en occuper. Je ferme les yeux et puis bah tant pis. Tu vois. Non plus sérieusement je sais pas comment on fait. Donc je vais attendre de voir s'il y a mon beau-père qui vient un jour à la maison, lui montrer et savoir ce que je peux faire. Mais pour l'instant c'est pas très pressant. Donc aujourd'hui avec Mathieu Kate là, on va aller faire une autre petite promenade. On va aller se promener mon cœur un petit coup. Bah oui on va aller se promener, il est 14h. Bon oui on va aller se promener un petit coup, la balade du midi comme d'habitude. On va aller faire la petite balade. Bah oui on va faire la petite balade. On sort combien de temps? Une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. On va au parc. Oh, on va au parc mon cœur. Oui on va au parc Tiquette. Donc bref je vais aller la promener un petit coup. Donc ensuite à 16h15 j'avais mon TD d'anglais. Sauf que la chargée de TD fait grève. Elle nous a expliqué les raisons et je trouve que c'est honorable de sa part de faire grève et déjà de nous prévenir qu'elle fait grève. Je comprends pourquoi ils font grève maintenant les enseignants. Donc voilà, pour moi c'est légitime, pour moi c'est normal. Ensuite je devais aller chez une pote à 17h15, je dois toujours y aller. Pour ses problèmes juridiques, elle a un souci au niveau juridique et elle sait pas comment faire. Donc je vais aller l'aider pour lui montrer les démarches etc à faire. Donc tout ce qui est juridique les gars, maintenant je suis au taquet. Les démarches administratives, les démarches juridiques, les tout. Et ensuite bah, je rentre à la maison et demain on est le 13 février et le 13 février je vous avais dit que j'avais un rendez-vous avec le conciliateur de justice. Donc c'est un rendez-vous avec le salon de coiffure qui m'a saccagé mes cheveux comme vous pouvez le voir. Que j'ai rendez-vous à 17h15 à l'autre bout. J'ai au moins une demi-heure de transport pour y aller pour visiter un appartement. Il faut que j'arrive à 17h15 devant l'appartement parce que c'est un appartement que j'adore. Il y a tout ce que je veux. J'ai un bon pressentiment, je sens que... Je le sens bien. Donc voilà. Là je suis en train d'aérer un petit coup, je crois qu'il y a un petit chat sur le balcon, bah oui. Là j'ai nettoyé tout mon canapé, j'ai passé un bon coup d'aspirer, j'ai passé beaucoup de temps à aspirer. Il y a beaucoup de poils, comme quoi il faut le faire vraiment tous les jours pour pas se retrouver avec plein de poils et passer 10 minutes à le faire. C'était blindé de poils, malgré qu'on met un plaid, bah en fait entre les coussins et tout, il y a souvent des trucs qui tombent, des miettes ou j'en sais rien, ou des poils ou je sais quoi. Donc ensuite j'ai mis tous les trucs que je devais mettre à la poubelle, au niveau de la poubelle encombrant et détritus. Comme ça, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais foutu le feu en fait. Genre on a voulu décoller la bougie, en fait on a foutu le feu, enfin bref. On a foutu sur le balcon, on a jeté un gros seau d'eau pour que ça arrête de cramer quoi. Donc c'est cramé, ça a été brisé en mille morceaux et donc faut que je le jette, j'avais oublié de le jeter. Et voilà, encore plein de petites boîtes à jeter. Ensuite je vais aller à la cave, remettre ma valise et mon mannequin. Parce que là j'en ai pas besoin vu que là j'ai pris pas mal de photos pour Vinted. Il y a encore pas mal de choses pour Vinted que je dois vendre, que j'ai pas mis à vendre. Là ce que j'ai mis à vendre c'était genre un tiers de ce que j'ai. Donc en fait ce qui serait pas mal c'est que je fasse un vide dressing sur Paris. Sauf que je ne sais pas combien ça coûte à faire. J'ai pas envie de faire ça dans mon logement, même si je déménage je vais pas faire ça dans mon logement. Donc je ne sais pas comment faire. Je vais remettre mes plaids, je vais mettre les choses à la cave. Ensuite je vais passer un coup de serpillière. Ça fait longtemps que j'ai pas passé de coup de serpillière, ça va faire une semaine. Donc je vais passer un coup de serpillière, ça va faire du bien à l'appartement. Et je vais nettoyer un peu tout ça et puis voilà, on se retrouve juste après. Thank you.
Voilà pour le canapé, donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'accrocs en fait avec les animaux quand ils mettent leurs griffes ou je ne sais quoi. C'est un peu chiant, je sais pas si je dois couper ou pas, ou enfin je sais pas trop. J'ai essayé de mettre ça de l'autre côté, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça refait la même chose, enfin bref c'est pas terrible. Donc bon, il est très très doux, il est très bien se plaindre, mais pour les animaux, enfin voilà, c'est pas terrible. Et ça là je vais le mettre dans le panier des chiens, comme ça ça va faire un autre petit plaid, je le mets là dedans en fait. Voilà, et son autre panier, il est en train d'être lavé en ce moment. Là, je vais aller à la cave. Hein, Tchiké, tu viens avec moi à la cave? Ouais. Voilà la cave, et après, je vais laver. Alors, je vous montre ma cave. Donc là, vous dites que c'est le bordel et tout. Mais en fait, dans l'allée, là, il y a un... Vous voyez pas grand-chose. Je vais essayer de mettre le flash. Là, il y a un sac de vêtements. Là, il y a un autre carton. Il y a une valise avec des vêtements aussi. Ensuite, là, c'est là où il y a mon nombre de doigts. Là c'est mon Noël, derrière les affaires du proprio, là-haut c'est une couette, là, là c'est tout ce qui est télé, etc. que je pourrais mettre dans mon futur appartement. Là c'est tout ça, là c'est des trucs de travaux. Donc ça mon père ira le récupérer, ça c'est pour ma filleule, c'est des jouets, et là c'est du Noël. Donc en fait ça il faudrait que j'arrive à le caser dans mon futur appartement parce que peut-être qu'il n'aura pas de cave. Ensuite en dessous il n'y a rien du tout, il y a juste des bacs, mais en fait il n'y a rien. Genre ça c'est quoi? Genre ça c'est mes affaires de ski, donc ça je pourrais les mettre dans, vous savez, dans une housse et la mettre en dessous de mon lit. Et ensuite là ça sera mon père qui ira chercher, ça c'est des oreillers que je pourrais mettre aussi dans une housse. Là c'est des cartons avec des trucs pour envoyer les Vinted là, et voilà, en gros il n'y a que ça. Donc il n'y a que mon Noël qui prend de la place. J'ai quand même pas mal vidé. J'ai mis au moins 12-13 cartons encombrants pour Emmaüs. Là, il y a juste ma valise et ça à mettre et c'est bon quoi. Mais j'ai vraiment beaucoup de place. Avant, j'avais pas beaucoup de place. Genre, je galérais. J'avais les cartons qui étaient superposés les uns aux autres. Là, il y a vraiment de l'espace. Donc en gros, si je déménage, il y aura tout ça qui part. Qui part chez quelqu'un d'autre, là chez mon père. Ça, c'est pour ma filleule. Et ensuite, c'est que le Noël et des vêtements à vendre. Donc les vêtements, ouais, je pourrais les mettre en dessous de mon lit si j'y arrive. Et puis bah, c'est tout, quoi. En gros, il n'y a pas grand-chose. Déjà, quand on entre, ça fait beaucoup plus lumineux, beaucoup moins encombré. Et bah, il y a Bichette qui est en plein soleil. Bichette, tu veux pas te mettre à l'ombre? T'aimes bien avoir le soleil dans les yeux, mon chat? Bah, oui, mon chat. Ça va, mon amour, d'amour que j'aime. Oh, bah oui, t'es beau. Il y a une chouquette qui va être jalouse. Voilà, c'est son intéressante avec son jouet. Ah oui, elle nous regarde en mode de, maman, tu te fous de ma gueule quoi. Bah oui, c'est toi ma fille, c'est ma mère amie. Ah oui, c'est toi mon bébé d'amour. Oh là là, c'est mon bébé d'amour. Bon, je vais ranger l'aspirateur. J'ai passé la serpillière, comme ça va faire un bon. Ça va faire du bien. Et il faut que je lave le coussin qui est juste là. Donc voilà. Oh mon chat, tu donnes la patte. Oh, tu descends pas du canapé, hein, parce que je vais laver le sol. Donc si tu mets tes pattes partout, ça va pas le faire, hein. Bah oui, mon chat. Oh, t'es beau, mon chat. Oh, bah oui. Oh là là, c'est bien, les caressants. Passer à la serpillière, ça sent le propre, cool. Il y avait plein de petites moutes qui étaient coincées entre les portes, donc avec la serpillière j'ai pu les attraper. Donc voilà, je suis fatiguée. Il est 16h quelque chose, voilà, 16h02. Tout est propre, je suis trop contente. Enfin, j'aime bien. Maintenant, je vais ranger un peu mon petit bordel là. Mais je suis trop contente, ça y est, c'est propre, je suis contente et tout. Donc voilà, ça, c'est des petites moutes que j'arrive pas à récupérer. Ici en fait, vous savez, là sur le bord de la porte, il y a des petits poils. Et quand je passe la spie, bah, j'en enlève. Mais c'est plus quand je passe la serpillière dedans que ça enlève bien les poils. Donc ça au moins c'est fait. Là c'est propre, je suis trop contente. Bon et ben voilà pour le salon. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Avant c'était vachement encombré avec la valise, le mannequin, etc. Il y avait pas mal de choses aussi sur la table. Donc j'ai tout nettoyé, tout est propre, tout est clean. Un ticket. Donc la télé c'est pareil, j'ai nettoyé. Le canapé je l'ai bien nettoyé. Là je viens d'annoter sa lettre recommandée qu'elle m'avait faite le 20 décembre. Ou à raconter que des conneries, vraiment que des conneries, j'hallucine. Je me demande pourquoi en fait elle ment. Alors qu'elle me le donne, qu'elle m'envoie la lettre à moi, ça va pas être devant un juge. Elle m'envoie à moi alors qu'on sait très bien toutes les deux que c'est pas vrai ce qu'elle dit. Donc je comprends pas ce genre de personne. Donc j'ai hâte d'être demain. Il y a tous les faits, toutes les photos qui vont avec.
Il y a tout. Mardi 10 décembre, demande une coupe d'une décoloration avec l'image à l'appui. Je raconte ce qui s'est passé et à chaque fois je mets la photo qui va avec. Donc je mets ce que je voulais, etc. Avec les heures, etc. Enfin bon. Donc tout ça est prouvé, tous mes faits sont prouvés. Le jour 2, bah je mets les heures, etc. à chaque fois. Vidéo à l'appui. Enfin l'appui, il n'y a pas de E. Oh mon dieu. Tant pis, c'est pas grave. Et en gros, bah je mets les heures, je mets voilà les heures encore une fois. Je monte la trace. Qu'elle m'a faite sur le fond, alors que j'avais dit de ne pas toucher mon cuir chevelu, je précise. Et cette trace là, on la retrouve ici, voilà. Donc après elle dit que c'est l'autre salon qui m'a fait ça. Non mais c'était que des conneries, vraiment que des conneries. Rien que la première phrase, elle dit: vous êtes venu me voir dans notre institut le 10 décembre suite aux commentaires positifs sur les réseaux sociaux pour un relooking total. Absolument pas, déjà rien que ça. C'est juste pour faire genre, tu sais, juste, tu vois un peu le personnage, genre juste pour faire genre, etc. Alors que pas du tout, je suis juste passée devant ton salon tous les jours, c'est en face du métro, donc pas du tout, donc en fait elle s'invente une vie. Ensuite, deuxième paragraphe, quand j'ai commencé à vous pratiquer votre ombrière et que j'étais à la moitié de la tête, vous m'avez signalé que vous étiez allergique au niveau du cuir chevelu, alors j'ai voulu vous rincer, mais vous m'avez dit de continuer. Premier jour, j'ai dit que j'étais allergique à la coloration, mais elle me faisait une décoloration, elle m'a même mis les cotons pour pas que ça touche au cas où. À aucun moment, en plein milieu de la décoloration, elle m'a dit d'aller me rincer alors qu'elle avait mis les cotons pour me protéger. Je comprends pas en fait, tu vois. Rien que là, encore une fois, c'est des conneries. Deuxième paragraphe, je vous ai fait confiance suite à l'accord verbal que sinon je vous aurais fait signer une décharge. Mais une décharge pourquoi? J'étais pas allergique à la décoloration, moi. C'est le deuxième jour où j'étais allergique à sa putain de coloration de merde. J'ai pris toutes les précautions et les soins nécessaires dus à votre allergie. Mais quelle allergie? Je suis pas allergique à la décoloration. Enfin, tu vois, tout le long en fait, c'est ça. Tout le long, c'est ça. Voilà, c'est que des gros mythos. Parce que le premier jour, ça s'est bien passé. Enfin, j'ai pas eu d'allergie. Au niveau de ma santé, ça s'est bien passé. Après, la coupe et la couleur ne m'allaient pas. C'est pas ce que j'avais demandé. Mais c'est surtout le deuxième jour. Et le deuxième jour, elle en a pas du tout parlé. Voilà, c'est professionnel de nos jours. Voilà, c'est... Bref, pareil pour ma copine. Donc je vais bientôt y aller parce que il est bientôt l'heure. Je vais bientôt aller la rejoindre. Je vais préparer mon code civil, mes cours de droit, etc. Bon voilà, j'ai pris mon ordi, mes cours, j'ai pris mon code civil 2017. Alors je sais qu'il y a eu la réforme 2018. Donc tes codes ne sont pas à jour, mais bon. Mes articles sont pas à jour, mais bon, c'est pas grave. Moi, ça fera un support. J'ai ma trousse et tout. Et c'est assez lourd. Mon dieu, qu'est-ce qu'il est lourd. Donc c'est parti, je vais chez ma pote et je vous reprends juste après. Donc nous sommes très 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 longtemps après, j'ai oublié de clôturer ce vlog, je viens de voir ça au montage. Donc le lendemain je suis allée au conciliateur, donc je vous ai parlé un petit peu de ce qui s'était passé dans ma vidéo chit-chat make-up. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai dans le petit. J'ai jamais vu autant d'injustices de toute ma vie, autant de mensonges, d'hypocrisie et de bêtises en une seule personne. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste ici si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.